Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tutos sur l'album Christmas Day en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la couverture de l'album. Et alors déjà ce qui est sûr et dont vous avez besoin, c'est d'avoir une planche qui fait 9 à 9,5 de large par 21,5 de hauteur et deux cartonnettes de couverture qui doivent mesurer 22,5 par 21,5. Ça, c'est pour un petit peu plus tard. Ensuite, si vous avez dû décider d'utiliser du tissu. Alors attendez, je suis allée les récupérer. Moi, voilà, je vais utiliser, vu qu'on est dans le tradi, j'ai un tissu coton blanc avec imprimé des étoiles et ce tissu rouge tout doux. Donc c'est ce que je vais utiliser pour ma couverture de l'album. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Là, je voulais qu'on s'attaque à une partie de la déco, en fait, qui va venir sur le devant de la couverture. Et pour ça, vous avez besoin d'une cartonnette qui mesure 19,5 par 19,5. Et ensuite, dans cette cartonnette, alors, ça c'est notre cadre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il me reste 16 et demi. Je ne l'ai pas calculé. Sincèrement, j'ai rien calculé d'avance là. Je fais 5. Oh, ça peut être bien. Voyons, si je fais 5, un espace de 0,5. À nouveau 5, un espace de 0,5. Ah, j'ai 5 et demi là. J'ai à peine plus grand ici. Donc il faudrait que je fasse un espace un peu plus grand. Donc il faudrait que je fasse 75. Si je calcule bien, 5, 6, 7 à peu près. Donc mon espace de 5 et un petit truc de 0,75. Peu près là. Et du coup là j'ai 5 aussi. Alors je fais un espace de 5, je fais 0,75, un espace de 5, 0,75. Sais pas si je vais pas les diminuer. Je veux voir ce que ça donne déjà tracé. Me paraît gros en fait. J'aurais voulu vraiment plus fin. Alors soit je rétrécis tout. Je vais faire le reste. Donc là, on fait pareil. 5 et 75. 5 et 0,75. Si, je suis sûre que vous voyez très bien ce que je suis en train de réaliser en fait. Bon, après, si vous avez vu le dévoilement de l'album, vous avez compris, mais il faut savoir que moi là, je ne l'ai jamais réalisé. Hein. Vrai que j'aurais voulu légèrement plus fin quand même.
0,5, ça m'aurait été bien en fait. 0,5, ça me fait caguer. Vous savez quoi, hors caméra, sur l'autre côté, parce qu'on ne le verra pas, je vais réduire la dimension ici et voir ce que ça donne au visuel et choisir entre les deux. Donc, je reviens après réflexion. Donc, ça, c'était la première mesure que j'ai fait avec vous. Donc, avec 0,75. Et ça, c'est la deuxième. Avec 0,5. Bien, je ne sais toujours pas, en fait. Alors, pense que je vais partir sur la plus petite. Donc, si vous faites ça, ici, en fait, c'est des carrés qui mesurent 5,15 cm. La mesure, là, pourrie, mais de chez pourrie, mais bon. Et donc, je pense que vous l'avez compris, ce qu'il faut enlever, c'est ça. Allez, good luck. On y va. Alors, je vous retrouve et vous pouvez constater que j'ai enlevé tous les petits morceaux pour réaliser ben, ma fenêtre. Et j'ai aussi, alors, sur l'arrière, alors vous choisissez le côté que vous voulez, hein. Je suis venue, je ne sais pas si on verra bien, rajouter en fait des chutes de cartonnettes partout pour créer une épaisseur un peu plus conséquente. Voilà. Donc ça sera la face visible et ça, ce sera l'autre côté. Donc on s'en fiche. Maintenant, eh ben, cette fenêtre, on va pas la laisser comme ça, hein, parce que c'est pas très très joli. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs par la fenêtre et que j'ai pas commencé par les tissus et la couverture. Eh bien parce qu'on va lui donner un petit effet bois à cette fenêtre. Et j'ai rien préparé. Donc je vais venir mettre mon tapis crado. Tapis crado. Hop. Mais si vous les connaissez, les tapis brut. Là, les tapis tout sales pour faire de la peinture et tout ça. Je vais avoir besoin. Alors, est-ce que je mets du... Ouais, il va falloir que je mette du gesso, pardon, gesso, un petit peu. Et après, on va faire un petit... Alors, je vais commencer par ça. Même si je trouve un petit pinceau ou une bidouille. Donc là, j'ai ma première couche qui a séché. J'ai pas pris le pinceau. Voilà, j'ai la flemme. Donc là, on va venir faire un peu comme on a fait avec l'album Stamperia. On va venir mettre un petit morceau. Un petit peu de gesso épais. Alors, soit vous laissez, vous faites des marques au pinceau un peu comme c'est en train de faire là. Voyez. Et je pense que c'est ce que je vais faire et en même temps je vais accentuer un peu le truc. Je mets juste. Là, je suis en train juste de faire la tranche. Vous ne lissez pas complètement en fait. Presque un pinceau, ça, avec des poils un peu raides. Et si vous voulez, vous venez avec un cure-dent texturer un petit peu plus.
Alors là, on va. Du coup, moi, c'est bien sec. Et je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, je sais pas trop. Du coup, maintenant, ma petite fenêtre, j'ai repassé une couche de marron, j'ai structuré, j'ai fait des nuances, des effets, tout ça, est bien sèche. Et là, ce qu'on va faire, donc c'est sur le dos, je suis aussi venue. On va venir coller du rhodo, comme ça. Voilà. Alors, oui, je vais le faire double face. C'est absolument pas gênant. Alors, vous pouvez en mettre, si vous voulez, un peu ici. Mais c'est pas nécessaire. Et là, même si mon double face est plus large, c'est pas grave. Oh, mon fils qui fait des vocalises. Mince, j'ai coupé un peu large. Hop, je vais juste retailler ce morceau là, sinon ça va m'enquiquiner. Mon plaisir. Ouais. Là et là, donc voilà, on a notre rhodo. Bon, la poussière pour l'instant c'est pas très embêtant. Et là, ce qu'on va faire, on vient prendre un peu de peinture blanche. On a vraiment besoin d'un tout petit peu de peinture. Un pinceau. Et on vient en mettre un peu sur notre pinceau. Et très délicatement, on va venir faire comme si en fait on avait du givre autour de notre fenêtre. Vous savez, comme dans les super films américains. Alors ça, c'est pas une obligation. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas.
et sur le dos, avec des chutes, je vais venir refaire une épaisseur de cartonnette. Alors une, voire deux, je sais pas. Je sais pas encore. Alors là, vu que je vais être contre du rodo, je vais mettre du double face. Alors moi là, je viendrai remettre un coup de peinture marron après. Je pense que je vais venir mettre encore une épaisseur. Ça fera bien plus joli pour ce qu'on veut faire après, ici. Donc je vais faire ça et je reviens.